Et nous voici à Morillon pour une petite rando entre nous cette fois-ci. Tranquillement. Oui, oui. Voilà. On va voir par où on monte. On ne sait pas encore. On va voir. Ça dépend de l'état de la neige. On aime vraiment bien cet endroit et aujourd'hui on vous emmène jusqu'à la Croix des Sept-Frères. On part des Essers au-dessus de Morillon et l'on monte par l'itinéraire balisé jusqu'au Laurent. Puis on le quitte pour aller sur les Rais. On le reprend un peu au-dessous du Tréchard pour ne plus le quitter jusqu'à la Croix, ce qui nous fait 700 mètres d'ascension. Tu trouveras le lien pour la trace GPX en description. Voilà, c'est parti. Bon, on se moque pas. Hein. Mais bon, il y a vraiment... Voilà. Ouais, c'est une magnifique journée. Ah là, c'est un peu neige de printemps. La neige se fait plus rare. Ça tape, il fait chaud. Enfin, il fait moins 2 au départ, mais avec le soleil, il fait plus chaud. Il fait bon. Alors, ça va? Hein? Avanti. Vas-y, avanti. J'y vais. Le franchissement de la rivière par Muriel, en plein effort. Voilà, là. Bon. Là, en dessus. Où il y a de la neige. Allez, voilà. Tout facile. Bravo, Mumu. En plein effort. Oh, c'est toi qui fais ce bruit. C'est un avion. C'est sympa d'être dans la nature sauvage. Il y a eu un petit passage délicat, un peu glacé dans la forêt. Donc voilà, il fallait un petit peu être dehors pour que ça glisse moins. Mais ça a été finalement. Pas eu besoin de mettre les crampons. Oh, ça a gelé. Ah, mince. C'est malin ça. Donc toujours pousser l'air. Pas qu'il y ait de l'eau qui reste. Le chemin, on n'a jamais fait ce petit bout par là. Vas-y, ma puce. Donc c'est à droite là. C'est parti, Mumu, en éclaireuse. Salut. Salut. La descente, hein, c'est plus casse-gueule. Hein. Petit pont un petit peu étroit là, il n'y a pas beaucoup de neige. Ça devient étroit. Ouais. On a passé par les Rais parce que bon, on trouve plus joli. Et donc on a quitté l'itinéraire de rando pour un autre petit chemin qu'on aime bien. Ah, est-ce que c'est beau? Joli là. Hein? Il y a des cristaux de neige. Ouais. Tirez Dion. Ça grimpe, Mumu. À l'ombre. Ça va, c'est pas trop gelé? Non. Ah, c'est raide là. On part en arrière un peu, ça glisse.
Incroyable comme ça fond en 15 jours. Hein. Toutes nos traces là qu'on avait fait à droite là. On avait, tu vois, on avait passé là et ouais. On voit plus nos traces, elles ont fondu. Ah, on aime bien cet endroit, toujours dégagé, il y a des cristaux qui brillent. Tellement soft. Ouais. Ah, c'est trop beau. Et nous rejoignons l'itinéraire de rando à ce niveau-là. Bien, Mumu. Oui, je vais très bien. Bon, allez, on continue alors. Ouais. C'est là. Juste à la hauteur du Tréchard. Non, Mumu s'arrête plus là, elle est lancée. Voilà. On est sur la crête. On appelle toujours la crête. La crête, mais c'est Motal. Et puis là, on va à la Combe du Pré où il y a le. Voilà, ça c'est la Combe du Pré. Et nous, on va monter là-bas, sous les lignes de tension. Et puis on monte là-haut, là-haut. Allez, arrête ce petit bout là. Petit coup de mot, Mumu. Ouais. Un peu naze. Passage préféré à Muriel. J'adore ce passage. Un peu scabreux. On passe dans un petit. Endroit un peu scabreux, faut le dire. Voilà, c'est ça. Il y a mal à trait. Tu vois, tu montes sur la trace que j'ai fait il y a 15 jours. Ouais. J'ai ouvert là. Ouais, ouais, moi j'avais fait par là. Magnifique vue. Toujours beau. Bientôt en haut, Mumu. Encore un petit effort. Scabreux. Je vais partir devant ou en arrière. Voilà, comme ça, parfait. Voilà, pendant que Mumu va remonter le long de la piste. On va monter par là, à la croix. Et à la croix de ses frères. Voilà, donc arrivé notre soleil. Arrivé à la croix de ses frères. C'est très beau. Une belle vue. Et puis. Ben moi je vais rejoindre Muriel, elle est juste un petit peu en contrebas. Et puis on va se manger un petit sandwich, ça va faire du bien. On commence à avoir faim. Petit à petit on a quand même fait 700 mètres de dénivelé.
gentiment, hein, ça monte pas super raide, il y a juste le bout vers la fin qui monte raide, mais sinon c'est tranquille. Voilà, c'est une jolie petite balade à faire. Voilà, il y a des petits bouts un petit peu durs, mais c'est sympa parce que ça monte, puis après ça revient plus sympa, puis après voilà. Pour se balader, c'est une balade. Arrivé en haut, Claude est passé par la forêt pour aller jusqu'à la croix. Moi, j'aime pas trop parce que c'est vert glacé, donc je préfère la sécurité au bord de la piste. Voilà, voilà, on y est, c'est cool. Voilà, c'était bien au soleil. Ouais. Maintenant, faut redescendre. Parti pour la descente. Bon, tranquille. Ouais. Voilà, c'était une magnifique montée, super beau temps, il fait chaud, au soleil c'est cool. Ouais. Et puis ben là, on va redescendre sur la piste. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de nous encourager en cliquant sur le pouce. Et surtout, abonne-toi pour être averti de nouvelles vidéos. À très bientôt pour de nouvelles randos.